Bonjour chers élèves de Sainte Agnès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer vous-même une carte à gratter. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez énormément. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire par nous-mêmes. Premièrement, il va vous falloir une feuille canson un petit peu rigide. Ensuite, un crayon à papier, mais pas forcément, si vous voulez faire en fait un quadrillage. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez également laisser libre cours votre imagination. Il vous faut surtout des pastels gras, très important pour la base, ainsi que de la peinture acrylique noire. Un petit peu de liquide vaisselle que vous allez mélanger à la peinture noire et un cure-dent, un petit bâtonnet qui va vous permettre justement de faire le grattage. Donc, de mon côté, j'ai décidé de quadriller ma feuille, comme vous le voyez. Et je vais m'amuser à colorer. Donc, je vais essayer de prendre des couleurs assez vives pour que ça puisse être bien visible. Donc, je fais ce que je veux, d'accord? Alors, je vais faire un petit peu de bleu. Allez, on enlève tout. Soyons fous. La pastel grasse va vous permettre justement de décoller facilement la peinture noire. Si vous n'avez pas de pastel grasse, vous pouvez également le faire au feutre, puis repasser votre dessin avec de la bougie. Ça fera l'effet gras également. Voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai ma carte à gratter qui est coloriée. Donc voilà, maintenant on va procéder à la peinture. Donc cette fois-ci, nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste à recouvrir notre carte de peinture noire. Donc pour cela, j'utilise de la gouache noire, d'accord? Et je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle. Un petit peu, et je vais mélanger le tout. Protégez vos vêtements si vous sentez que vous risquez d'en mettre un peu partout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couvrir votre carte d'une couche de peinture noire et laisser sécher. Et voilà, ma carte est prête. Sachant qu'il fait chaud en ce moment, je pense que ça va sécher très rapidement. Pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Aidez vos parents à vider le lave-vaisselle ou mettre la table. Ça y est, ma carte est totalement sèche. Il ne reste plus qu'à gratter. C'est parti. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ça fonctionne bien. Et voilà, j'ai réussi à réaliser ma première carte à gratter. C'est plutôt amusant, facile à réaliser. Donc j'ai hâte de voir vos réalisations sur la plateforme Benelu, voir vos motifs et vos couleurs, etc. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un de mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, j'adorais inventer des codes secrets pour pouvoir écrire des messages codés. Seuls ceux qui connaissaient le code secret pouvaient réussir à déchiffrer ce message. J'adorais faire ça. Et je vous propose de vous montrer un petit peu le genre de code secret que j'inventais avec mes camarades. Je vous laisse le soin de déchiffrer le petit message que je vous envoie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants.